dérange pas là? Quoi? Je te dérange pas là, non? Quoi? T'es tranquille, je te dérange pas, je suis là. Bah tiens, écoute, c'est Guideray. Elle se met dans la peau d'un homme. Dans ma vie, j'aurais beaucoup moins d'embrouilles si aussi. Aussi, j'avais des couilles. Bon, je vais aller faire d'autres potes. Je vais aller voir ce que les livres en pensent. Quoi? Si vous étiez une femme, qu'est-ce que vous aimeriez? Qu'est-ce que vous feriez? Moi je serais une grosse coquine et je me ferais payer tous mes verres. Si j'étais une fille, je sais pas, je pense que je serais le même. Moi je vous envie assez pour l'orgasme multiple. Du coup bah je ferais l'amour tout le temps je crois. Alors si vous étiez un homme, qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous aimeriez? Alors qu'est-ce que j'aimerais? Je sais pas, en revanche je pense que je ferais pipi debout. Je pense que je passerais mon temps à me toucher les seins. Si t'étais un garçon, qu'est-ce que tu ferais? J'emmerderais les filles comme ils nous emmerdent. Leur tirer les cheveux. Ouais. C'est la société qui fait que c'est pas pareil d'être une fille ou d'être un mec, je crois. Être enceinte, ça a l'air vraiment bien. J'aimerais pas avoir un truc qui pend tout le temps. Je ferai pipi debout. C'est moi, je ferai pipi debout, ça c'est sûr. Et vous? Pas d'avis sur la question. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez une femme? Je changerais de sexe. Franchement, je ne sais pas vous dire. Les avantages d'être une femme, c'est d'avoir la richesse et l'intelligence. Oh. Ah, bonne question. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez un homme? La même chose que qu'en étant une femme. Je ne veux pas être un homme parce que je suis très bien dans la peau d'une femme. Alors pour vous, quels sont les avantages et inconvénients d'être une femme? Oh. Oula, on va partir loin. Des inconvénients? Arriver à supporter l'homme, tout simplement. J'aurais peut-être plus de couilles qu'en étant une femme. C'est probable. C'est probable, dans les deux sens du terme. Tu peux te taper autant de filles que tu veux, on t'insultera jamais de pute. Mais on insultera de quoi? Bah on dira que t'es un mec, c'est normal. Ouais, on dirait que t'es un beau gosse. Et en étant une femme, du coup, t'es soumis à un schéma de domination masculine qui a été imposé par une domination patriarcale. Les pauvres, tout leur tombe dessus. On a toujours une société qui est très macho, donc oui, c'est toujours dur de se mettre dans la peau d'une femme. Tout ce qui sert à leur protection, moi je trouve que c'est nul parce que ça devrait exister depuis très 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 longtemps. Comme pour les hommes. Quand t'es un œuf, tu souffres moins en règle générale, je pense. J'aurais peut-être eu plus d'assurance. Je ferais du shopping avec mon ami, hein. J'aimerais bien savoir ça fait de bander. Je trouve que les hommes sont un peu trop macho. L'avantage d'être une femme, c'est la plus belle chose du monde, déjà. Pour moi, l'inconvénient d'être un mec, c'est qu'on est obligé de s'y connaître en mécanique, sinon tu tapes la honte. Vous savez que c'est pour la cato. Est-ce que vous êtes au courant qu'on va avoir de gros problèmes? Aussi j'étais un homme, si seulement... Pas concluant. Je crois qu'il va falloir un troisième sexe. De quoi ?